Vocal les gars, vocal les gars, vocal les gars. Bienvenue les rois et les reines, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite bulle artistique. Bienvenue aux nouveaux venus. Sur cette chaîne, vous allez trouver de quoi développer l'artiste en vous. Chanter, vous ouvrir, développer vos qualités techniques, scéniques, votre mindset, tout ce qu'il faut pour devenir un artiste. D'ailleurs, ce dont j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous risquez à commencer à progresser pour pouvoir briller votre lumière et devenir le grand artiste auquel vous aspirez, auquel ou à laquelle vous aspirez. Qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez de tomber? Eh bien oui, tout le monde tombe. Vous croyez quand même pas que les grands sont jamais tombés. Comment on fait pour devenir super grand? Eh bien, on s'habitue à tomber et on se dit, bon, allez, j'ai appris ça, je vais faire autre chose. J'ai appris ça, je vais faire autre chose. On croit que les grands artistes, ils sont arrivés comme ça, poum poum, ils sont sortis de leur chambre, quelqu'un les a entendus jouer une chanson et puis d'un coup, ils sont connus. Non, 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 ça prend, enfin d'expérience, je peux vous dire que ça prend un petit temps. Hein. Moi, j'ai commencé ma première chanson, j'avais 9 ans, toute seule avec ma guitare. Et petit à petit, ma première scène en tant que chanteuse, ça devait être à 15 ans. Bon, avant, j'étais danseuse, hein, depuis que j'ai 3 ans. Donc, la scène, j'adore ça. Mais c'est petit à petit qu'on y arrive. Donc, qu'est-ce que vous risquez aujourd'hui, même si vous avez 90 ans, à commencer à être l'artiste que vous voulez être? Parce que l'excuse de « oh, c'est trop tard », ou bien « je suis trop petit », »,« je suis trop grand », »,« je suis trop vieux », »,« j'ai pas une voix comme les autres »,« je suis trop vieux », enfin, toutes ces excuses bidons, là, non, non, non. Commence maintenant, le monde a besoin de toi. Oui, oui, toi, toi, toi. Dis pas « c'est pas pour moi, elle parle pas de moi ». Si, commence aujourd'hui, même si t'es peintre ou photographe ou que tu veux écrire des contes pour enfants, ben, commence maintenant. Si tu commences tout de suite, tu vas y arriver. Tu vas y arriver un jour. Et tu auras le succès que tu mérites parce que tu te seras donné à ça et que tu y penseras toute la journée. Qu'est-ce que je risque? Mais qu'est-ce que je risque? À briller ma lumière et à te l'offrir. Qu'est-ce que je risque? Mais qu'est-ce que je risque? À briller ma lumière et à te l'offrir. Alors là, vous avez des consonnes corsées. Donc je compte sur vous pour les propulser. Qu'est-ce que je risque? Mais qu'est-ce que je risque? À briller ma lumière et à te l'offrir. Qu'est-ce que je risque? Mais qu'est-ce que je risque? À briller ma lumière et à te l'offrir. Les consonnes. Qu'est-ce que je risque? Mais qu'est-ce que je risque? À briller ma lumière et à te l'offrir. Continuez. Qu'est-ce que je risque? Mais qu'est-ce que je risque? Allez, chanter. Serré, c'est-à-dire on est ici, je redescends un peu. Qu'est-ce que je risque? Mais qu'est-ce que je risque? À briller ma lumière, à briller ma lumière et à te l'offrir. À briller ma lumière et à te l'offrir. Allez, on essaye, tous les i sont vibrés. Yeah.
qu'est-ce que je risque? Peut-être la peur d'être jugée, mais je vais vous dire ça dans une prochaine capsule. Pratiquez ça tous les jours et que ce soit un mantra pour vous, les rois et les reines. Et surtout, vous, les nouveaux qui êtes nouveaux sur cette chaîne, demandez, posez-vous cette question importante. Je vous envoie une bulle d'arc-en-ciel. À bientôt, les rois et les reines. Vous connaissez, vous connaissez, vous connaissez.